de pour président capable nommer révoquer un commissaire gouvernement le voulait t'a pas gagner la justice parce que parquet a vienne sous ordre exécutif a besoin procureur il a raison écoute elle doit nommer lui mais elle connaît le nommer pour un nombre d'années pour mandat et pas qu'à renouveler donc là ça nèg là connaît pas qu'à révoquer mais elle connaît tout pas besoin de faire rien pour président renommer encore. Il va tourner peut-être, on demande après, on va faire comme ça. Deuxième bagaille qu'on a besoin de faire qui est essentiel dans la Constitution, c'est l'intégration diaspora. Ça, essentiel. Parce que nous ne sommes pas capables de vivre dans le côté A pendant toutes les ressources nous gagnons. Ressources humaines, ressources financières, capacités techniques. Sans dehors d'Haïti, la brûle, je veux dire. Et puis nous refuser même le droit. Mais alors là, justement, docteur Ross, on a vu par exemple la commission Tardieu, nous, et ça le fait, la possibilité pour y amender la constitution. Eh bien, nous raté l'occasion pour nous faire, ils n'ont pas fait. Alors, comment comprendre que Barès a fait pas de combien de temps, il a dépensé beaucoup d'argent. Et ils n'ont pas jamais penché sous dit, la dernière session qui finit la pratique. Non, même pas ta voulu faire amendement. Oui. Malheureusement, pas ta voulu faire amendement. Comment on parle d'un corps législatif pour le vote en bagage après du pouvoir? Ou pas j'aime ça? Ou pas j'aime bien ça? Évidemment, là, dans ce cas, ce serait... C'est une nouvelle ça, constitution. Nouvelle constitution, c'est peut-être ça nous dit nos besoins de transition. Transition, il y a trois bagages là-dedans. Si on dit non, on a dit quatre. Une nouvelle constitution, donc assemblée constituante, un dialogue national autour d'un projet jusqu'à 2054, pour fêter 250 ans d'indépendance. Troisième lien, c'est un CEP permanent, pour une finale avec affaire, CEP provisoire ça. Et puis quatrièmement, des élections anticipées, qui fêtent dans un cadre acceptable, côté que problème base de données électorales là, résoudre. Parce que je dis, nous avons un gros problème dans la base de données là, pas qu'un nègre qui prend le brin, quatre démalogues pour aller faire élection, pendant que démalogues là, le nommer l'exécutif. Il faut rapatrier à ce CEP permanent la gestion de la base de données. Donc l'ONI doit être transféré au CEP. Quatre bagailles, ça, il faut résoudre. Quand il résoudre, ou après pays a changé. La source d'instabilité, René Préval te dit, c'est la Constitution. Donc immédiatement que Constitution sont source de d'instabilité, sont source de corruption, je dis. Sont source de corruption. L'on change li, ou après que le pays a changé à ce moment. Et nous pourrons aller vers un gouvernement qui a un pouvoir dans le monde, un parlement qui a un rôle li, un judiciaire qui a un rôle li, un CEP qui a un rôle li, les institutions vont être rétablies. Nous assistons, Alex, à la décomposition de la société haïtienne, à la décomposition des institutions haïtiennes, que Martelly commençait, que Jovenel finit. Depuis sous Préval li commencé. Donc les 10-15 dernières années, nous avons une destruction institutionnelle, il faut nous remettre institution haïtienne campée. Oui. Alors, docteur Boulos, invité aujourd'hui dans le Carrefour, on a quand même un problème. Et ça fait longtemps que tout le monde a dit oui, mais c'est quand? On a comme l'impression que c'est, j'allais dire, c'est la rue qui a parlé. Hein, maintenant, du point de vue institutionnel, alternative d'abord aux jambes nettement dégagées pour le fond consensus beaucoup plus général. Tout le monde parle de changement de système, mais là encore il faut mettre en question le fait que nos partenaires, nos amis, nos amis traditionnels hein, ont influence quand même sur la politique haïtienne. Hein. Et là on a l'impression que c'est leur intérêt qui prime au détriment de l'intérêt d'Haïti. Et ce sont des partenaires quand même. M'badadil comme ça, Alex. M'badadil comme ça, c'est-à-dire qu'il faut que nous fassions mea culpa nous. L'international souffre de la fatigue d'Haïti. Quand même, nous fait depuis 86. On a fini. Maintenant, c'est vrai tout que nous jouons un rôle, gagnons l'heure, parce que y a Haïti fatigue là. Yo chercher la solution la plus facile pour yo. Dans ça qu'a fait aux États-Unis, je dis à la, m'a quoi Donald Trump, son problème à Haïti, il besoin de vendre. Donc, l'a chercher la solution la plus facile. Mais on s'arrivait. Blanc français a pas tendu en 1803. Peuple haïtien te fait le tendu. Et même peuple haïtien a fait tout le monde tendu, je dis à. Que ce soit bourgeoisie, que ce soit homme politique, que ce soit international, peuple haïtien a parlé. Elle parlait fort. M'a quoi monde qui a contesté
gigantesque manifestation que fait vendredi dernier. C'est pour y voir où ça en est. Alors, justement, oui, c'est ça, docteur Boulas, on regarde sur Facebook, là, les réseaux sociaux, évidemment, ont tant de gains. Il y a peu de voix monter là-dedans. Ou monde qui même dit qu'il y a aucun problème avec Jovenel Moïse pour affaire de, d'argent, que, oublié, côté moi, ou qu'à tout sur Facebook, et que c'est ça clôture tout ça, et qu'on a financé en série de barrières. Ou financer en barrières, opposition? Oui, me financer, et brigade, pour diminuer vos violences dans la manifestation. Ou financer brigade qui pour diminuer, j'ai dit que nous avons des mounes qui dans manifestation qui empêchent mounes de faire violence. Et là, on finançait ça. Oui, mais ben, pour ça. Parce que ce sont beaux bagages qu'on a fait. Ou pas, une manifestation, on va te dire passer. Par contre, coup de violence. Et par contre, ça arrêtait le passé sans violence. Non? Et par contre, ça arrêtait. Oui, on fait ça. Mais est-ce qu'on finançait pour mounes sortir dans la rue? Non, on pense qu'on a fait 100 000 mounes sortir. Combien quoi pour mettre dehors là? Mais quand ça arrive, l'homme t'a déjà dit ça, c'est une insulte au peuple haïtien. Alors, peuple haïtien, gangois, pas qu'il doit sortir. Peuple quoi, tu as sorti, m'a t'a déjà dit c'est monde qui fait le sortir. Peut-être gaz encore le sortir. M'a t'a déjà dit la France, les gilets jaunes sortir, m'a jamais déjà dit c'est l'argent qui fait le sortir. Pour ça, c'est parce que c'est peuple haïtien qui sortit, nous dit c'est l'argent pour faire le sortir. Ou pas de répéter ça, Alex? Honnêtement. Non, faut pas répéter ça. Parce que les gens. Parce que c'est une insulte. Aux millions d'Haïtiens, aux milliers d'Haïtiens, qui ont souffert de grand goût, qui ont souffert d'insécurité, qui n'ont pas capable encore, qui ont demandé la santé, qui ont demandé l'éducation. Soutenons le peuple haïtien de préférence. Oui. Ne les accusons pas de choses que y a pas rien pour faire. Oui. En tout cas, même là, c'est une insulte. Oui, j'ai vu vendredi, j'étais là sur place vendredi, bon. Moi ça passe. Quand même, non, c'est une question comme tant d'autres que nous avons parlé, donc il faut faire avec la situation. Moi, je suis en train de faire tout ça. Bon, en 2017, ils ont fait un appel d'offres. Et appel d'offres a demandé que faut bail crédit là-dedans. C'est-à-dire que faut vendre le gouvernement à crédit pour 4 ans. Moi, j'ai un parti appel d'offres là. Je livrer tout équipement pour me livrer. Mon document est certificat d'accomplissement. Mais j'aurais dû moitié cobla parce que j'ai 2 ans encore pour me toucher. C'est où je donc, je ferme parenthèse ça. Oui, parce qu'on en parle tellement. Alors, maintenant. Et Alex, ouais, grande bonne question. Bagaille, ça va parler. Et puis, ça qui est terrible, c'est que. Nous avons son leader politique, opposition, qui dit lui. Femme du l'homme des mondes ça parler m'a pas besoin citer non mal dans radio me dit qui monde qui a parlé là est-ce que c'est Libéris qui a parlé parce que c'est quand que c'est porte-parole journal qui t'a parlé pour vous mentir sur moi. Écoutez, la réalité Alex c'est que on va dire beaucoup de choses de moi aujourd'hui. Je suis un homme politique, me considérer me constituer un parti politique que mon respecter aujourd'hui. M'a dit me plus fort parmi personne même considérer me fort. Donc c'est normal pour attaquer. Je gêne. Ouais. Je gêne aujourd'hui. Et je gêne tous ceux qui font de la contrebande. Je gêne tous ceux qui font de la corruption. Parce que Réginald Boulos n'a pas besoin de contrebande. Réginald Boulos n'a jamais fait contrebande. Réginald Boulos n'a jamais servi à franchise. Réginald Boulos fait 62 ans en Haïti. M'étudier petit séminaire au collège Saint-Martial, dans Mitambelé. M'étudier médecine, faculté de médecine. Moi, professeur faculté de médecine, je fais 14 ans de travail, Cité Soleil, Raboto, Cassoleil, Wanamet m'a fait la santé. Pas besoin l'État pour mal prendre on goûte quand tout ça fait avant mieux. Bon, sur Carrefour, docteur Réginald Boulos, notre invité aujourd'hui, une question qui est importante pour un pile monde qui vit à l'étranger, capitaine Jodien, pour moi qui est fondamental. Ça fait longtemps que je ne dis contribuer, mais regardé le dernier rapport de la BRRH qui dit qu'il y a à peu près presque 1 milliard de octobre 2018 à février 2019, une grosse partie de l'agence a sorti États-Unis, une autre partie qui sorti Chili, une autre partie sorti Canada. Mais là, justement, on a dit le dialogue avec la diaspora. Maintenant, quel dialogue? Depuis combien de temps, on y a demandé ou intégration, même droit de vote, n'ont pas gagné, mon cas vivre à l'étranger. Maintenant, en plusieurs fois, tentative, c'est arrivé, il n'y a pas jamais occupé. Comment intégrer cette diaspora, puisque il y a dehors, il n'y a pas grand-chose au café, là, attendez, comment vous pouvez réintégrer dans la chose publique? D'abord, c'est une réforme constitutionnelle, nous sommes tous à la réforme importante. Il faut donner à la diaspora tout droit civil, politique que Haïtiens qui vivent en Haïti gagnent, sans indiscrimination. On va deux exemples. Michael Jean,
Michael Jean, c'est probablement l'Haïtienne qui a occupé le plus grand poste politique en dehors d'Haïti, qui vient ensuite secrétaire général francophonie. Alors, papa, c'est Michael Jean qui a un rôle qui a joué dans le pays aujourd'hui. Radio Omega. C'est extraordinaire que nous refusions que s'il t'a avlé demain matin pour le candidat à la présidence, il n'y a pas qu'un candidat à la présidence. Bon, bon, l'autre exemple encore. Ma bonne, deux autres, on va attendre ça en bleu. Footballeur, Duquesne Nazon. Il nationalisé belge. Belge, je dis. Français ou belge, même quoi c'est belge. Donc si Duquesne Nazon a joué pour nous, Liban Gol, nous allons ouais. Mais si Duquesne Nazon demain dit le candidat, il a dit Côte Belle ça a sorti. Oui, Naomi Osaka. Ah, je parle de Naomi Osaka. Naomi Osaka est née de père haïtien. Donc elle est d'office haïtienne. Ça n'est pas même considéré ça. Naomi Osaka n'a pas un cas naturalisé, non. Son cas qui naît de père haïtien. Ouais. Donc elle est automatiquement haïtienne quand elle le fait là. Mais elle a pris la nationalité américaine, moins qu'on est japonaise, par contre, elle est là. Le gain, US Open, là. Que haïtien vibré. Il revient en Haïti, nous recevons dans le palais. Il mène la visite de citadelle. Parle-moi de pardon, Naomi t'a dit. Les candidats en Haïti. Il t'a dit que japonais ça a sorti. Oui, oui. Alors, donc, mais ça crée ça finalement. Non, c'est un monopole. C'est un monopole de la classe politique pour empêcher aux hommes compétents tels que Siméus, même Wyclef. Je mets Wyclef dehors. Par contre, si Wyclef tape pour le président, commenter. Ouais. Mais laissez-le la lutte se faire. Que le meilleur le gagne. C'est qu'en coup, il connaît le papier perdu l'élection devant Wyclef. Et puis. Il y a le point Matéli. Monsieur Wyclef, tu as fait mieux que Matéli. Alors, évidemment, ce n'est pas là. Évidemment, c'est pas le peuple qui a décidé, c'est un groupe monde qui décidait pour le peuple, finalement. Puisque, on tri qui fait. Hein, et l'ensemble, ça, c'est peut-être un barré à faire. Comment intégrer cette partie-là? Parce que jusque-là, Noël, mais comment l'intégrer là? Comment arriver à cette constitution, la dynamique que nous avons aujourd'hui? Hein? Mais c'est de ça, nous, même moi, Alex. C'est-à-dire que la transition doit accoucher d'une constitution qui donne à la diaspora tout doit aller. Ensuite, faut permettre diaspora voter côté lier. Ça se fait dans beaucoup de pays quand on peut voter dans l'ambassade. Faut faire ça puisque nous allons éventuellement pas grand empêcher que diaspora enregistre comme électeur, prend 4 signes puisque là ça l'a bien tout droit, l'a bien 4 signes tout. Faut 4 signes disponibles même je bail passeport en dehors de d'Haïti, yo ka bail 4 signes en dehors d'Haïti, faut diaspora joindre 4 électoral li pour le capable voter tout. Faut que, quelque part, quel que soit diaspora qui a double nationalité, les gens doivent briguer n'importe qui poste. Son seule question à poser le ça, faut le remettre deuxième nationalité pour le Québec par Haïti. Tout comme Michael Jatte fait, le Brelbal, il a une nationalité française, il remet lui pour le Québec. Exactement. Donc, et faut permettre lui, faut ouvrir des bureaux pour la diaspora. Au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Mais elle ne fait rien. Là, ça va ballon valeur. Ou ballon valeur côté que le pral mette bureau yo dans différentes grandes zones. Yo. Boston, Brooklyn, Miami. Il y a des grandes zones. Je dis à Chili. Ou qu'on est je dis à Chili, c'est le deuxième, la deuxième source de transfert vers Haïti ouais. Après les États-Unis. Avant même Canada. Avant République Dominicaine. Ouais. Son gros bagaille. Donc, je dis, il faut nous occuper, il faut nous avoir des bureaux qui peuvent occuper diaspora, et c'est ça le rôle du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. C'est pas un ministère qui chita Port-au-Prince qui a mangé cob. Oui. Docteur Reginald Boulas, allons droit au but. On dit que maintenant on entre vers une transition. Qui forme transition ça t'apprend? Comment y arriver? Qui moun qui pour là-dedans? Alors, d'après Vision Power, comment ou elle t'a doué? Combien de temps ça devrait ou pourrait durer éventuellement? Et comment arriver à coucher ce que Empilement a cherché? Bon, la Constitution de 87 donne comment ça doit se faire. Parce que pour moi, je dis à la, son seule Constitution gain, c'est la Constitution de 87. Parce que je ne peux pas parler de ça, elle est la Constitution amendée. Puisque la Constitution dit tous nos actes sont en deux langues. Rome, une constitution en créole 87, qui par exemple gagne ou l'autre, il dit c'est le président de la Cour de cassation qui prend pouvoir lors de la démission du président. Eh bien, on a fait lui, immédiatement. C'est ça qu'on a fait. Deuxièmement,
n'a fait avec les forces politiques, inclus ceux qui sont au pouvoir. Parce que moi-même, je compte chasse aux sorcières. Elle dit que 2004, nous courons des 2086, nous courons des Duvalieris, 2004, nous courons des Lavalas. On doit faire le rassemblement. Donc, on doit monter un gouvernement d'unité nationale qui gagne en tête un homme politique, mais qui a les compétences techniques pour mettre, pour faire les grandes décisions de réforme minimale. Parce que seul le gouvernement élu est capable de faire grandes réformes. Mais il faut faire les réformes minimales. Ou peut-être de parler de combien de milliards de gouttes de déficit que nous fait à date. Gros problème de prix gaz qui sont gros problèmes qu'a fait n'importe qui monde. Mais c'est certain. Si gros monde qui n'a pas un prix gaz, il est le Jovenel Moïse. Donc, en fait, Jovenel Moïse n'a pas fait rien. Il est là, mais il n'est pas là. Il n'est pas dirigeant rien. Donc, il faut aller vers un gouvernement d'unité nationale avec des compétences techniques. Il faut mettre, comme il n'y aura pas de parlement, l'autorité nationale de transition. Alex, tout ceci est bien écrit dans l'alternative consensuelle. Où est-ce que vous avez? Pendant des mois, il dit opposition divisée. Finalement, nous faisons effort. Secteur démocratique, FOP, qui vient là dans le Petite Dessaline, qui vient là dans le Mopod, Troisième Voie, et des centaines d'organisations sociales ont signé et ont présenté à Mir Balay l'alternative consensuelle. Quand il y a parlé, il dit oui, mais il y a tel et tel. Mais nous pas qu'à faire une unanimité. Il y a ce qu'on appelle en politique la masse critique. Nous faisons masse critique de proposition. Proposition très claire. Le président de la Cour de cassation, un gouvernement de consensus et d'unité nationale, les réformes, le procès Petro-Caribé, la nouvelle constitution, le dialogue national, un nouveau CEP permanent et les élections. C'est écrit dans le... Ça fait combien d'années à peu près? Bon, nous-mêmes, nous pensons, on a dit qu'il y a une différence, qu'il y a une guitare qui a duré un an, pas plus. Moi-même, pensais que meilleur, là, c'est que le fini mandat et président. Et président. Bien entendu, on a caveat dans ça. On a caveat dans ça en ce sens que, comme on a une nouvelle constitution, ou par contre, mandat encore. Mandat arrêté. Ou peut-être que la nouvelle constitution des hommes, elle dit c'est 4 ans. Donc, moi, je pensais que, de manière rationnelle, on ne pas faire trop long, parce que le peuple a besoin de solutions définitives. On ne pas faire trop court pour ne pas être fini. On a dit 2 ans, c'est maximum pour une transition ta faite, pour nous arriver à un gouvernement élu, dans un contexte constitutionnel qui a changé, un président qui a tout pouvoir, un parlement qui a pouvoir parle, et un judiciaire qui a tout pouvoir. Il y a ceux qui pensent que Jovenel Moïse, comme président, a dû présider transition ça. Vous pensez que le peuple s'en prend? Eh bien, moi, je peux répondre. Eh bien, ils ne vont pas prendre. Donc, on ne va pas jouer avec les sérieux. Monsieur, chaque jour qui passe, c'est des enfants qui meurent. Ouais. C'est des enfants qui ne vont pas à l'école. C'est des parents qui sont bloqués chez eux. C'est des universitaires qui ne peuvent pas sortir. On connaît à souffrir. Et la facilité aurait été de dire, oh, mais il faut quitter Timounio à l'école. Mais on n'a pas qu'à quitter Timounio à l'école, puisque nous, comme président, ne pouvons pas dire rien. Il faut finir avec cet état de choses aujourd'hui. Nous n'avons pas le choix. Il est clair, nous n'avons pas le choix. Mais il faut une transition sérieuse. Et moi-même, Mabdou, Troisième Voie, pas intéressé à participer à la transition. Parce que nous sommes jeunes partis, m'a créé, nous avons une vision, nous avons un manifeste. Manifeste moins clair côté de nous aller. Nous avons des idées claires de gouvernement d'état de droit, de justice, de lutte contre la corruption, de la santé et d'éducation, nous voulons mettre en place. Nous d'accord feuille de route alternative là. Mais nous avons un gardien qui a veillé feuille de route ça. Parce que, faut que n'ait pas pensé, il y aura le là pour bambiner également. Il faut que la feuille de route soit une feuille de route sérieuse et que ceux qui sont appelés à l'appliquer, ils le fassent de manière sérieuse. Oui. Non, pour Absolute Carrefour, docteur Reginald Boulos, c'est invité de jeudi dans Carrefour, c'est lui qui, membre important. Finalement, Troisième Voie, vous êtes secrétaire général ou quoi? Pas aucun titre dans Troisième Voie. Il n'y a pas de titre? Non, le coordonnateur provisoire de la Troisième Voie, c'est un jeune de 31 ans. Qui s'appelle universitaire, qui a fait l'INAGUE, qui s'appelle Chou Semsi Kazir. Et je me considère comme l'architecte. L'homme architecte, ce n'est pas pour vous, Kaila. Kaila, c'est ingénieur qui a construit, c'est tout le monde qui a construit, et en tant que Kaila, c'est le peuple qui a construit. On va retirer la possibilité, docteur Boulos, candidat à la présidence. Pour qui ça peut me retirer? Un candidat, c'est choix, pas. Comme tout haïtien.
Oui. Quand quoi Alex? Alex est rentré dans le troisième mois et il dit qu'il voulait être candidat. C'est primaire, nous pas le faire. Est-ce qu'il y aura des c'est primaires? C'est primaire. Hein? Est-ce qu'il y aura des primaires? Il y aura des primaires dans toute portion. Depuis Kazek jusqu'à président. Et au consacré, l'homme dit que ça y aurait. Vous m'avez oublié. Longtemps, longtemps, du parti fait primaire, il dit comme ça, t'as pas le coûté, il n'y a pas comment le faire. Je dis à téléphone, nous permettons de faire primaire de tous côtés. Puisque les partis seront enregistrés, et les membres seront enregistrés, même yon gen un carte, yon gen un téléphone, ou vont en question pour yon, à travers 17.com, yon programme qui fait ça, ou dit yon, un c'est Alex, deux c'est Gauthier Bernard, trois c'est Réginald Boulos, quatre c'est Steven Benoît, et puis ils ont choisi X. Et c'est candidat, celui qui a gagné le plus. Et c'est même rationnel, et Alex. Et yon gen dit ça, il dit, ah, c'est la bête, ils ont passé, non. Il dit, mais si je perds yon primaire, ça veut dire que je n'ai pas perdu l'élection. Ça m'a cherché. Si je perds une primaire, même ma m'abgoumé, pour mieux primaire. Parce que je suis candidat à la candidature. Je pense que je peux apporter ma connaissance, mes compétences, mon passé, mon track record, Radio Omega, mes réussites à ce pays. Tout ça me gagne comme bien. Son entreprise m'a acheté en faillite. Et me mettait me faire tourner ou entreprise qui a marché. Est-ce que c'est la même chose, vous pensez, pour un pays? Oh, absolument. Parce que mal dans ces bagailles. Vous connaissez que toute entreprise m'a acheté qui en faillite là, il n'y a pas de gros problème de personnel, il n'y a pas de gros problème de produit, il n'y a pas de gros problème inhérent à ça à faire. Il y a des gros manque de vision, il y a des gros manque de discipline ou manque d'application. Un pays doit avoir une vision. On n'a pas de vision. Je répète là déjà sous dernier micro ça. Rêve haïtien, je dirais les canotes. Nous pas qu'avons pays qui a vu dans le désespoir. Faut nous retourner à l'espoir. Et encore tout à l'heure, la m'a dit tout ça. Il y a 5 lumières rouges qui marchent dans Port-au-Prince. Mais dans 5 lumières rouges, ça, si je suis vêt, il faut me garder si n'est qui sous rouge là, pas passer quand même. Prends moi même Mounsa, Menel Miami, la campé dans toute lumière rouge. Donc nous avons un problème moun. Nous avons un problème de structure, nous avons un problème d'état de droit. C'est-à-dire que je dis à prison haïtien, où tu as droit de mettre ton pancarte devant qui dit interdit à moun qui gagne l'argent et moun qui gagne connaissance. Puis de pour passer certificat, on parle dans prison. De pour gagner quoi pour parler dans prison. Mais coup de bourgeois qui a fait contrebande, arriver dans prison ou après contrebande campé. Et Réginald Boulos a mis deux bourgeois dans la prison. Alors, si justement, on ne peut pas suivre la loi. Justement, ça se la justice de la troisième voie, Radio n'a ni Omega. Couleur de peau, ni quantité d'argent, ni classe sociale. Elle est aveugle. Elle est aveugle. Mais ça a tendance tellement à amplifier la toute sphère société. Hein. Parce que là, c'est, vraiment, ce n'est pas les bourgeois. Je ne suis pas d'accord avec Alex. La majorité du peuple qui a mouru en Congo, elle a la corruption. Il a fait un petit business. Mais écoute, tout est relatif dans la vie. Elle dit que c'est peut-être ça l'homme dans la cité solaire l'autre jour. Il a ouvert Ibrahim, il a dit côte bandit. Parce que toujours dit, nous, c'est les bandits sont à la cité soleil, les bandits sont à la saline. Mais les vrais bandits sont au palais national, les vrais bandits sont à la bourgeoisie, les vrais bandits sont au parlement. Ces bandits, ça, on qu'on a le fait, mais d'abord, pas qu'à parler de petits peuples là. Écoutez. Cité Soleil fait ZAM. Cité Soleil, je ne vais pas montrer mon boutique ZAM. Je vais montrer que Cité Soleil prête comme la banque pour l'acheter ZAM. Donc, mon côté ZAM l'a sorti. Dernièrement, il y a peut-être 4-5 mois, nous t'étendons, la police saisit, on a fait de 10 conteneurs, et puis subitement, le conteneur est lagué, on ne va jamais contacter dans le conteneur. On doit avoir l'état de droit. Elle dit qu'il n'y a aucun pays qui peut arriver. Kagame, c'est pour Eva, elle fait oui. C'est la discipline et l'état de droit, le météo. Oui. Et pour moi, idole, moi, c'est Kagame, je veux dire. Nous pouvons, Kagame a fait du Rwanda la perle de l'Afrique aujourd'hui. Oui. La troisième voie va faire d'Haïti la perle d'Haïti encore. Ça veut dire Kigali, la plus belle capitale de l'Afrique, mais, pas auprès, la plus belle capitale de la Caraïbe. Mais écoute, je construis le plus grand centre de convention. D'Haïti et j'ai construit le plus beau showroom de Nissan de la Caraïbe. Ça n'est pas moi qui dis, c'est Nissan qui dit. Non, j'avoue. Hein? Oui, j'avoue. Ah, donc, quelque part,
nous qu'a fait. Faut nous suspendre pessimiste. Faut nous suspendre baisser bras nous. On lever bras nous, on mettre bras nous ensemble, on kembe mais une autre. Nous qu'a fait. Ça me persuadé de lui. Et à 63 ans, c'est ça la vision du reste de ma vie. Alors, docteur Jean Boulos qui a invité jeudi encore, faut venir prendre quelques aspects. Par exemple, nous vraiment faibles économiquement avec une catastrophe, le budget, une catastrophe économique, un bagage qui asphyxie, anémie. Et maintenant, il va falloir qu'on groupe paraître, les gagne moyen en même. Comment avoir les moyens que nous besoin et combien de temps ça va prendre pour un redémarrage vraiment réel de pays, ça, la vision par où? Mais les moyens sont là. Je n'en mène qu'à voler haut. Les moyens sont là. Contrebande. Moi, je dis 450 millions de dollars contrebande. 300 millions de dollars impôts sur le revenu. Nous, c'est le seul pays qui n'a pas criminalisé la faute fiscale. Il y a un rare pays. Et dit, mon premier ministre, pour le premier ministre, là, il paye 5 ans en arrière la veille, et puis on bat bravo pour lui. C'est dans la prison que ça a été. Moi-même, l'autre jour, je publiais combien de copes je paye l'année dernière. 2018-2019. Parmi dans mes entreprises. 18 millions de dollars américains de droits et de taxes. Je souhaite que tout le monde paye taxes. Bah, j'aime ces vagues franchises. Si je suis sous dôme, je t'avoue aider déjà. Quand on connaît, il y a PC fabriqué des sous dôme. Je ne pas dire là, mais je connais ça qui a préparé. Mais il y a des gens qui révoquent pour ça, parce qu'ils n'ont pas accepté de faire montage. Je ne pas citer non. Mais le moment voulu m'a cité non. Vous parlez avec le président Moïse, Jovenel? Absolument pas. Ça me va dire avec lui. Tout ça me dépend, lui me dit le 18 novembre 2018. Ouais, si le président Jovenel t'a écouté ça me dit le 18 novembre 2018, non seulement le patap là à la veille de perdre du mandat, pays à tape loin. Où est-il que trois chefs? Trois chefs qui... Non, il n'y a pas trois chefs, un seul chef. Et le Michel Martelly. Et c'est ça que je dis que je t'ai répété par Michel Martelly. Je dis que pas qu'il y ait deux présidents dans le pays. Mais il a décidé d'être la marionnette, le zombie de Mais on persuadé que vraiment les marionnettes de. Oh, mais écoutez. Radio Omega. Jean Rissé a nommé premier ministre. Jean Rissé n'a pas mis ton ministre. Jovenel Moïse n'a pas mis ton ministre. Tout ministre, tout le monde comme ça. Et Martelly met tout. Donc de quoi on parle? De quoi on parle? Écoute, allons devoir regarder le passé. Parce que pour moi, c'est du passé. Je ne dis pas PHTK, c'est du passé, non. La corruption PHTK est du passé. PHTK peut se réorganiser, enlever les oranges pourries et se réorganiser avec des oranges jaunes, normales. Moi-même, pas faire chasse aux sorcières. Quand on la valasse pour organiser, nous sommes là pour l'unité, pour le rassemblement, le grand rassemblement, la grande alliance nationale. D'ailleurs, il y a un mot, il vous l'a dit, grand. Trompe qu'on dit Make America Great Again. Moi-même, pas qu'à dire Haïti grand encore, mais m'a dit Haïti grand. La grande alliance nationale, l'alliance entre la bourgeoisie progressiste, entre la classe moyenne intellectuelle honnête, entre le peuple haïtien, entre la masse du peuple haïtien. Moi-même, Regina Boulos, son seul côté mien, je dis, dans mitan peuple-là, à côté peuple-là, dans peuple-là. Ou un ticket, enfin, en finale, Regina Boulos, Michel Martelly. Je ne parle comment pour Michel Martelly dans l'élection avec Petro-Caribé. Je ne parle ça. Vous pensez ça? Je préfère un final entre deux necks sérieux. Pas entre un neck sérieux et un vagabond. Je préfère un bel final entre deux necks sérieux pour que le peuple haïtien ait un vrai choix devant. Radio Omega. Si je dégage pile l'âge, finalement, c'est avec les Simaniga. Ah oui? Oui. Qui est quelqu'un que pour lequel nous avons pile respect. Il a un débat, il fait que reprocher lui, mais son est qui a une vision de ce qui a été fait pour Haïti. Les quatre mois de la présidence de Maniga, on avait vu quelque chose de totalement différent. Et c'est une plus gros crime là, mais d'Haïti fait. C'est le coup d'État contre Maniga. Et maintenant, de plus en plus, Duvalier voulait retourner sous pouvoir. Et encore une fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas, crampé dans les crimes que les Duvalier fait, ils ont droit là-dedans. Nicolas Duvalier est un jeune qui vient d'arriver. Bon,
m'ka peut-être dit qu'il y a un problème d'expérience, qu'il y a un problème de track record. Ok, mais les Duvalieristes peuvent se réorganiser. Écoute, son bon bagage, si nous arrivons peut-être à 3 ou 4 ou 5 grandes formations en Haïti, la troisième voie, Lavalas, PHTK, les Duvalieristes, voilà les quatre. Mm-hmm. Voilà les quatre. Parce que là, je dis Lavalas, mais secteur démocratique et autres, je ne sais pas si je suis bien relation. Mais en fait, n'oublie pas que quand je parle de Lavalas, je ne parle pas de normes. Je parle de la philosophie Lavalas. Et la philosophie Lavalas a aussi ses bons côtés. Il y a des mauvais côtés. Quand toute philosophie a des bons et mauvais côtés. Mais son philosophie qui a des valeurs. Donc, si nous avons moi, je me retrouve au centre-gauche. Je suis à gauche parce que il faut la justice sociale dans ce pays. Mais il faut la libre économie. Il faut l'économie de marché, la libre entreprise. Mais le gain de libre entreprise là tout. Il faut gagner un état régulateur. Un état qui dit ça qu'a fait côté le qu'a fait. Mais il n'est pas fait lui-même. Il quitte compétition. Fait. Et je prends un bon exemple de ça, l'état régulateur, que je répète plusieurs fois déjà. Dans le pays côté que tu un état régulateur, pas de quitter le digital acheté comme celle. Et ouais, depuis ça fait là, c'est la dégradation du service. Il faut la compétition. Ou qu'on est aux États-Unis, et pas Jodia et TNT besoin d'acheter T-Mobile. Le gouvernement américain n'a pas jamais accepté. Donc l'État régulateur te dit ouvre les fonds fermes eux. M'a pas d'autres fonds fermes eux. Mais m'a dit qui côté pour faire. Ouvre les fonds une zone franche. M'a dit ok, souffle Jérémy, m'a mis ton port là pour vous, m'a mis tes structures là pour vous, m'a mis une route là pour vous. Ou besoin de faire poulet, m'a permis de importer, dans le premier temps, importer, manger poulet. Sans en son papier rien. Mais dans le deuxième temps, en mettant en place. En mettant en place une stratégie de fabrication des aliments pour le poulet. En planter, en rebaille tête, nous, toute du riz nous besoin. Pas de raison pour n'importe du riz. Pas de raison pour n'importe œufs. Nous importons 1 million d'œufs chaque jour de la République dominicaine. Imaginons si nous faisons un programme, bonne idée de la troisième voie. Un financement de 20 entreprises formées par des jeunes, femmes et hommes. À travers le pays, qui pour chaque produit 50 000 œufs. Nous avons assistance technique, nous avons financement. Vous connaissez combien de temps ça a besoin pour finir avec AFSEA? 6 mois. Dans 18 mois, qu'on n'a pas besoin d'importer poulet encore. Parce que même ferme ça a tout pour l'entrée dans la production poulet. Nous avons quand même réduit l'importation des œufs. Nous, quoi, je dis, nous fait peut-être 400 000 œufs. Mais nous avons besoin de faire 1 million encore. Manger national haïtien, c'est du riz, comment elle. Mais remettre en place l'ODVA. Remembrer l'ODVA, aller en plein de Maribaou, dans le Nord-Est. Refaire du riz. Mais remettre en place le rôle de l'officier agricole. Porter pour paysans, on rêve que petit petit demain, quand on fermier tout. Je m'a dit, mon paysan, je vais dire fermier. Écoute. Les fermiers américains jouent en pile subvention de l'État Radio américain. Il faut nous supporter fermiers parce que jouent ont réussi, jouent nous support nous et qu'ils produisent tout du riz. Et puis là, ils disent que oh, mais c'est dans le secteur privé qui parle, n'est qu'à importer. C'est faux, moi, je dis ça. Même leur produit du riz, il faut distribuer. Donc, n'est qu'à distribuer du riz, je dis, que le prennent dans les États-Unis, que le prennent dans les Antibonites, et même bagaille pour l'IA. Il faut refaire les tubercules. Pas gain raison d'en importer un bon produit. Est-ce qu'on connaît que 70% de du riz nous mangeons aujourd'hui importé? Est-ce qu'on connaît qu'il y a 30 ans, en 1986, c'est 20% d'importé? Ouais. Mais alors, maintenant nous connaissons l'agriculture, là, son domaine à risque, en pile risque là-dedans. Il faut l'assurance agricole. Écoutez, le nègre a perdu son orange en Floride, ça crève. On connaît depuis la température à descendre très bas, à 30, 32, 33 degrés, il a perdu toute plantation d'orange en Floride. Il y a assurance agricole. C'est ça qui fait la banque qui a prêté le robe. Mais pas assurance agricole. Ça sont l'autre bagaille pour l'État mettre en place. Moi, bon, trois bagailles essentielles pour l'État mettre en place. La banque de développement pour permettre aux jeunes d'avoir accès au crédit. Jeunes universitaires, d'un côté. Jeunes de ghetto, pour une formation professionnelle, pour être capable d'avoir accès au crédit.
la banque de crédit agricole aussi, pour permettre aux fermiers pour joindre accès à crédit avant récolte, pour payer après récolte. Mais ce n'est pas un fermier qui travaille côté que le pas même qu'il n'y a il n'y a pas même qu'il santé, il n'y a pas même qu'il éducation. Le rôle de l'État, et c'est pour ça que je dis que je suis de gauche, nous devons être responsables. La troisième voie, le pouvoir de la troisième voie, doit être responsable de fournir les soins de santé et l'éducation. Et d'ailleurs, ma Mabdion Bagala, que peut-être mon baron est, est-ce qu'on connaît, Alex, que l'école que nous avons à Cité Soleil, c'est l'IGBA et meilleur score d'un examen 9e année fondamentale dans toute la République d'Haïti? Nous voyons 360 timons d'un examen année ça. Année qui s'est passé là, c'est trois qui n'ont pas passé. Timon Cité Soleil, pour qui ça? Parce que, un, nous construisons belle l'école pour eux. Deux, nous faisons formation professeur chaque juillet, août. Professeur touché chaque mois. Trois, Timounio recevoir manger pendant une à l'école là. L'homme, dès qu'on travaille, c'était soleil, dès qu'on va arriver, l'heure est 10 heures du matin arrivé, Timounio a dormi sous banc. Parce que pourquoi je ne mange rien. L'homme a ajouté un pain à un velette. Notre Timounio grimpé. Ce n'est pas difficile de faire les choses. Docteur Boulos, dis-nous, quel avantage comparatif a Haïti gagné par rapport aux nations de la Caraïbe et rapport à zone Nantou, qui t'a fait que peut-être pour prendre le raccourci et aller un peu plus vite que les autres parce que nous accusons tellement de retard dans le développement. Quel avantage comparatif en tant que pays nous représentait dans le bassin Caraïbe? Bon, d'abord, il y a le même avantage que la République dominicaine gagne en termes de plage, en termes de capacité. En plus de ça, c'est le meilleur paysage culturel et historique, patrimoine culturel et historique que la République dominicaine. Donc, tourisme, son gros bagage pour lier que nous avons développé. Deuxièmement, nous avons la loi Hope qui nous a pris l'avantage. Et nous avons avec problème qui a passé entre la Chine et les États-Unis, il y a un pile avantage pour même Chinois qui viennent investir en Haïti pour être capable de produire, pour envoyer aux États-Unis. Et nous tout près, nous avons 750 000 de Miami. Et troisième avantage que Haïti gagne lui-même, c'est diaspora là. Son gros avantage lié. Pas grand pile pays qui a qualité de diaspora ça, en termes de capacité économique, en termes de capacité culturelle, en termes de capacité de savoir. Il faut, m'a répété ça chaque fois, et c'est pas, m'a besoin, honnêtement, m'a besoin de l'argent diaspora. Besoin de diaspora, comprendre que troisième voie, c'est une pilier, il y a quatre piliers troisième voie. C'est quand on croit qu'on son caille qui gagne quatre piliers, quatre colonnes. Première colonne, c'est la paysannerie. Deuxième colonne, c'est les jeunes, la jeunesse. Troisième colonne, c'est la femme. Quatrième colonne, c'est la diaspora. Et l'autre jour, ça fait un gros débat. Nous tenons une réunion troisième voie, il y a presque une trentaine de monde. Pour qui ça m'insiste de mettre la femme, pendant mettre la jeunesse, femme dans la jeunesse là, mettre paysannerie, femme dans la paysannerie, mettre diaspora, femme dans la diaspora. C'est parce qu'il faut faire la discrimination positive pour être capable de corriger la discrimination faite contre les femmes. Est-ce que c'est parce que 51%? Non, c'est pas une question de 51%. Et c'est le pays où la femme est battue, elle est violée, elle est sous-utilisée, il n'y a pas mal de droit à la politique presque, mais non, au Parlement, il y a 140 garçons, il y a 4 femmes. Pourquoi on aime le nombre fort? Ben, c'est si tu as 20 femmes dans le Sénat. Ça ne se trouve pas là, va t'as fait, non? De part et d'autre. L'homme, si tu es soleil, c'est femme qui travaille. Garçon qui joue domino. Dans les factories, ce sont les femmes surtout qui travaillent. Donc, et. Qui ça n'a pas fait? Si nous pas font discrimination positive pour changer statut femme en Haïti, statut femme dans la diaspora, d'ailleurs même l'on vit dans la diaspora, où est-ce que j'en travail? En pile. Docteur Reginald Boulos, invité de jeudi à Carrefour, il a parlé de troisième voie, il a parlé également de l'avenir d'Haïti. Un gros choix pour nous faire, nous à côté de notre grand voisin du Nord, et jeudi en gros côté qui a pris une grosse extension, et j'ai vu également
la Chine. J'ai vu également un tweet de président commission affaires étrangères, hein, dans le Sénat, qui dit que non à Taïwan, non à la Chine. Comment résister à cette tentation d'une Chine qui a un rôle, je veux dire, elle veut jouer dans plusieurs pays? Bon, on me dit qu'il y a deux aspects là-dedans. Un aspect historique, basé je dis à ces deux ou trois pays dans l'Amérique qui reconnaissent Taïwan. Alors, il y a deux façons, Kawel. Il y a 13 dans le monde qu'on y a. Oui, il y a deux façons, Kawel. Ou bien, on a dit, de toute manière, on joue. On va aller là. Mon Kawel, au cas où elle que si ou qu'on négocie, c'est pas 150 millions de dollars ou alors dans Taïwan. Moi j'ai rencontré l'ambassadeur de Taïwan et me dit lui, bah même besoin goutte d'amène, même besoin 1000 km route. 1000 km route ça fait 1 milliard de dollars. Imaginons si demain matin, compagnie taïwanaise qui a pu utiliser haïtien, mais deux haïtiennes qui a formé haïtien, a construit 1000 km de route. C'est un pays en chantier subitement. Ben nous besoin de route là. Si vous me donnez à la zone franche, port de paix, dans le nord-ouest, font la route là. Si vous me dites là, Jérémy, il faut finir la route là. Si vous me dites là, le cap haïtien, il faut faire le tronçon naïf cap haïtien. Donc, il faut faire les routes, il faut faire l'infrastructure de base, et il faut faire l'infrastructure en fonction de plan qu'on gagne, plan qu'on développe, ce qu'on appelle le plan régional. République Dominicaine fait ça bien. Là, pour une zone, il dit pas développer une zone. L'hypothèse, le paquet, l'hypothèse route, l'hypothèse électricité, l'hypothèse de l'eau, pour des infrastructures de base, libre avantage et pour être zone à développer. Pour qui ça ne va pas avoir Punta Cana dans la vache? Pour qui ça ne va pas avoir Punta Cana dans la côte de fer? Problème qui gagne avec le gouvernement qui a fait le programme, ça, c'est que vous commencez en pile bagaille, en même temps, vous n'avez pas fini rien, et vous mettez tête aussi, c'est pas des avances qui te baillent dans mon esprit de corruption. Alors, maintenant, nous avons un gros problème en Haïti, c'est le problème. A fait lumière, électricité, évidemment, en pile tergiversation sur lui, ou l'impression de moins en moins nous gagner lumière. Comment ouais ou même ou envisager affaires électricité? Parce que son arme, son va être très difficile de par urbanisation en fait en Haïti. C'est déjà un problème évidemment. On parle de compteurs intelligents, tout le reste. Comment est le problème ça? Bah, son problème lié. Qu'est-ce qui va courir ici là? FPNL. FPNL. Son compagnie privée. Oui. Donc, où est-ce que ça veut faire ici? Hein? Que production, hein? Que transmission électricité, hein? Que menel la caillou, que compteur, hein? Que Bordeaux, son seul film qui fait. L'État, son régulateur, et l'État touche taxe. En Haïti, nous prenons parti qui est plus facile dans le problème électrique, la production, nous privatisons. Mais nous ne pouvons pas privatiser la transmission. Hein? Donc, l'igno, pas bon. Nous ne pas privatiser collecte-là, vente-là et collecte-là. Et on s'est arrivé l'État haïtien. Et son problème pour nous prendre en globalité, moi-même, je ne pas le faire ça et le gouvernement haïtien fait accuser X, Y. Son problème dans la globalité, pour nous prendre. Ça veut dire. Le l'État achète un dollar courant. Il y a 40% perdu dans la transmission. Hein? Donc, il n'y a déjà pas qu'à vendre 40. Vous avez dit, l'achetez un dollar, il y a 40 centimes que le pas qu'à vendre. Quand il y a l'un qui vient ici vendre, et il dit, c'est 60%. Il vend 40%. Il y a moitié qui n'ont pas payé. Donc, ça veut dire, sous chaque dollar que l'électricité, le gouvernement a acheté, il récupère 20 centimes. Et ça, il faut parler de 200 millions de dollars par année, subvention. Moi-même, j'ai divisé la zone en grand centre. Et puis chaque compagnie qui je dis a produit me dit yo prend toute bagarre main. Moi même l'État me voulait toucher. Pati pam. Et bon exemple,
Le téléco te gen monopole, combien de lignes téléphone nous te gen? Ma baoul, 100 000. Uh-huh. Je dis, on a 4 millions de téléphones en Haïti. Et je dis à compagnie et téléphonique, c'est une plus gros payeur de taxes pour l'État haïtien. Donc, ouais, grand privatisation fait, li bon, ça dépend de ce qu'on fait là. Mais il y a des gens qui ont plein tout du fait. Par exemple, on a vu avec affaires gaz là, quand l'État a retiré le col là-dedans, enfin apparemment, monsieur plein du fait que. Mais c'est faux. C'est ça l'État, il faut comprendre. Bon, Mexico. Ou d'une compagnie pétrolière, commande $1 pétrole. Mais on va vendre 60 centimes, ma bo 40 centimes là. Mon pas j'en 40 centimes là. Bon, qui quoi pour le gain pour le commander l'autre dollar encore. C'est 70 millions de dollars, je dis, à l'État doué, compagnie pétrolière. Yo. Mais le pape dit ça. Alors, nous dit ça, c'est quand on nous dit, problème gaz là, commencé depuis yo, remettre compagnie pétrolière, ça a été qu'on fait longtemps. Mais tout, depuis jour, finalement, il y a un problème gaz. C'est un scandale de corruption de gaz là. BM pas de manger cop, ou par contre, côté cop sorti, ou t'as des dans BM pas de prendre 27 millions de dollars, yo bah des malogues. Et ça fait me dire sous Caraïbes, moi compte que monter gaz là. C'est pas comme si que me pas réaliser que mon déficit non. Mais gars, c'est côté qu'on va voler jodi a que carrette à prendre en faire peuple à payer pour monter gaz là. Mais éventuellement son mari qui pour analyser, mais c'est pas là le fait de libéraliser, problème gaz a commencé depuis le BM pas d'abjérer gaz là. Quand BM pas de patte là pour le bail 500 sacs du riz chaque député pour votre premier ministre. Quand BM pas de patte là pour payer 100 000 dollars à chaque sénateur pour le voter en premier ministre. Quand BM pas de patte là pour payer 27 millions de dollars, ça veut dire que c'est là le sorti pour acheter des malogues. Et je dis, ah ouais, des malogues là, sont gros problèmes liés. C'est pas système là notre problème là. C'est que je dis, ah, par un électeur qui confie ce système là, que c'est pour un système qui est déjà manipulé. Donc il faudra donner confiance encore. Non seulement à moun qui pral dans l'élection, mais moun qui pral voter, que l'élection a fait bien. Oui, encore, je dis que numéro moun a changé quand même. Bon, numéro moun a changé, moun fait 4 pam déjà. Et faut me dire que, peuple haïtien bien aimé 4 là, oui. Parce que 4 là semblant 4 résidences. Belle. Il belle en pile, il y aurait même. Ok? En clair. Mais par contre, 4 là, écoute, je ne suis pas contre la modernisation. Oui, mais plusieurs identités pour un citoyen. Maintenant, non, écoute. C'est-à-dire ça, elle va remplacer la carte. C'est quand couleur change le passeport, numéro a changé. C'est pas un problème. Depuis base de données, le même. Comprenez? Ouais, mais quatre là devant là, on belle petit quatre. Ou t'as rien à penser sur son aig immigration américaine par Webby, on va avoir une quatre résidences. Ok. Mais la réalité, c'est que nous pas une confiance dans base de données. C'est pas quatre là, c'est la base de données. Et la base de données est importante. Elle doit être rapatriée au CEP. Et c'est le CEP qui doit avoir la responsabilité de cette base de données. Nous, on peut suivre Carrefour, dialogue avec la diaspora. Qui ça, on t'a aimé dit diaspora? Parce que c'est un dialogue comme ça. Qui ça, spécifiquement, on t'a aimé dit? Et qui sont probablement le Dakar Mando ou tout? Parce que j'ai l'impression qu'on t'a souhaité au Mando ou quelque part et tout. Bon, écoutez, pas un problème. On connaît okay. Que si diaspora voulait parler avec, on est là pour ça. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis de Miami. Oui, oui, justement. Et d'ailleurs, on voyage qui fait un pile bruit. Puis c'est moi qui ai fait photo, je lague sous tout bagage. Je me bon, petit musique pour passer, pour moi, pas passer le monde. Là, je vais passer musique là. C'est pas parti, m'bati, c'est voyager, m'voyager. Oui. Ok? C'est pas parti, m'bati, c'est voyager. Non, mais parce que sûrement, il y a dit, la période, il n'y a pas de voyager, non? Non, mais écoutez, mais diaspora, c'est mon dos. Ouais, ça, il dit là, c'est déjà mon trou, comment il y a diaspora. Je fais un voyage pour me venir rencontrer diaspora, mon dernier rencontre après-midi. Je fais un voyage pour me venir dans l'émission. Je fais un voyage pour me venir dans l'émission Elisabeth Guérin dans TV Island. C'est pour ça que je fais un voyage. Je me bâtis mardi, lundi pour me donner demain. Mais c'est diaspora qui vient. C'est haïtien qui vient. Alors, diaspora pas haïtien. Bon, moi-même, je dis diaspora haïtien, même j'avais, même j'en ai tout. Et qu'on se bat vraiment de diaspora, je veux dire. Je connais vraiment de la difficile. Mais songez, frère Axel, au cap vivre, je veux dire, dans une situation encore plus difficile. Diaspora, c'est les kembe nous en vie. Eh bien, sous gon frère, sous gon soeur, sous gon maman, sous gon petite que c'est payé pour lui, voyons $20 en plus, voyons $50 en plus. Ça appelle ça, ma fait diaspora. Moi, mon échange, m'a dit diaspora,
m'a besoin, m'a venir chercher propre demain. Donc promesse m'a fait lieu yo gratuit. Yo gratuit. Nous besoin bail droit de vote, nous besoin droit bail droit d'investissement, nous besoin créer accompagnement pour diaspora leur arriver dans le pays et que le pour compte li. Nous besoin créer bureau à travers et ambassade nous yo. Et plus important encore, nous besoin une collaboration entre l'État et la diaspora. Parce que nous gagnons une administration publique sclérosée. L'âge moyen de certains ministères est de 58 ans. Nous gagnons 25 000 personnes pour nous mettre à la retraite. Mon retraite bien préparée. Nous gagnons 10 000 jeunes pour nous rentrer. Et nous besoin d'inviter la diaspora. Ça que vous voulez venir porter connaissance pour nous. Pour nous voir côté au cas de travail avec nous. Mm-hmm. Alors, Jean-Rélin, hein? Lina Chajakon, alors. Nous parlons le premier auditeur, Nabdil. Allô, bonsoir, ou dans l'air, Mabtadio. Oui, allô. Allô, bonsoir. Allez-y. C'est pour l'auditeur. Mabtadio, vous m'avez posé question, Mabtadio. Allez-y, vous m'avez posé question. Ah, ok. J'ai l'impression qu'au côté qui gagne bruit, je ne vais pas attendre trop bien. Au côté qui gagne bruit, surtout quand on côté qui gagne moins bruit, parce qu'on l'autre voix qui a parlé en même temps. Oui. Oui, allô? Posez question, allez-y, Naptado. Ok. Moi, je tape sur M. Boulos. Moi, quitté à la place, oui, comme son nos futurs leaders pour le pays. Hein. Donc, à sa place, moi-même, je ne suis pas entré dans le terme politique d'environnement. Donc, tout le monde connaît, quel que soit le pays, à le développer avec les ressources naturelles. Je tape suggéré l'eau. C'est première ressource naturelle pour tenir compte, parce que c'est l'eau qui crée tout environnement pays. Donc, construire des barrages, lorsqu'on construit un barrage, il y a trois possibilités. Première possibilité, c'est irrigation pour agriculture. Deuxième possibilité, c'est barrage pour hydroélectrique. Troisième possibilité, c'est salle de traitement d'eau pour d'eau potable au service de la population. Au service quotidien de la population. Hein? Donc, ça, c'est trois gros problèmes fondamentaux. Hein? Et mon cher Mabdi, dites ça, merci beaucoup. Et son barrière qui est très important, ça le dit là. Et elle parlait de irrigation, moi, je m'ajoute un barrière pour lui tout, drainage. Parce que avantage que l'on barrage, c'est que problème paysan haïtien, hein? Le grand pile la pluie, l'inondé. Le bagage la pluie, il y a une sécheresse. Barrage la permet de faire des lacs qui quimbent de l'eau, qui fait que ou drainer de l'eau pour lui, l'eau le besoin, ou irriguer pour lui, l'eau le besoin, et l'eau qui est propre de l'eau, ou un canot de drainage pour capable permettre de l'eau passer. Moi, d'accord avec irrigation, moi, d'accord avec traitement d'eau, et barrage hydroélectrique, tout, nous, et ça, son bagage, je dis là. L'autre jour, je suis dans le plateau central. Je parle à mon mien balai et à mon inche. Et je dis à troisième voie, il y a 13 coordinations dans les 13 communes du département du plateau central. C'est le premier côté de commencer. Implanter tête. Non. Et moi, je fais une remarque pour vous. L'électricité n'a pas consommé dans Port-au-Prince sur trois côtés. Deux usines privées qui coûtaient nous 200 millions de dollars de subventions par année et Peli. Qui ça, mon plateau central, joint pour ça? Donc, moi-même, troisième voie à suggérer, nous transformer Barrage Péligla en société qui appartenu aux collectivités du plateau central, et c'est au cap 20 courant par l'État haïtien, au cap 20 courant par privé, pour l'argent que Barrage Péligla et usine hydroélectrique Péligla générer, nous caprons comme ça, nous développer dans le plateau central. Il faut que les ressources de pays à tourner dans zone côté social. Bon, l'autre exemple, l'Abadi. Combien de cobre l'État touche chaque jour sous touristes qui visitaient l'Abadi, qui tournaient dans le nord? Nous ne connaissons pas. L'État de Port-au-Prince, accapareur, gourmand, voleur, pour cobre tout le monde, ni manger, et puis ne pas retourner dans la région. Il faut développer l'autonomie des régions. Et moi, je parle de quatre grandes régions. La région du Grand Nord, Nord et Nord-Est. La région transversale, qui est Nord-Ouest,
Antibonite, Plateau Central, la région de l'Ouest et la région du Grand Sud. Et à partir de quatre régions, ça a développé toute une philosophie de développement régional et les ressources collectées au nom de ces gens doivent retourner à ces régions et bien une certaine autonomie en termes de capacité de décision de qui ça a fait à Kobio dans la région. Ou bien doivent créer des fédérations régionales des maires et puis à partir de fédérations régionales des maires, ça y est, on fait des programmes avec tous ces maires pour la région. On peut prendre l'autre auditeur encore, on dit auditeur Salo, bonsoir, on est en l'air. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Boulos. Quelle est la question, hein? Alors, la question, qu'est-ce qu'on pensait de décentralisation, de centraliser le pays, premièrement. Deuxièmement, est-ce que monsieur Matéli dépend de la ville sur chaque transfert, sur téléphone? Nous d'accord pour une tombe de la ville, même plus, nous prenons le salaire. Et troisièmement, hier après-midi, monsieur avait fait bien au nom. On a ici un salut dans le programme 3. Et avec ça, tout d'amour, pensez monsieur. Est-ce que monsieur Boulos a fait appel à mon saïo? Que bon Dieu vienne là. Bye bye. Et m'tant des deux premiers, on va expliquer le troisième là. C'était bon monde qui t'est invité, bon, c'est pas de point, hier, que soit faire appel à mon saïo, ou ce monde qui a vu à l'extérieur. Bon, et bon, je vais répondre à une première question. Je n'ai parlé de lui pendant peut-être, ou pas de temps. Moi-même, je crois dans l'autonomie des régions. Et où est-ce que vous dites, vous parlez à faire de dollars 50 là, vous parlez de l'argent que vous prenez sous transfert. Et l'agence ou appel téléphonique, moi-même, je crois que là encore, il faut que l'agence a séparé en fonction de région côté, la Léa, pour que ces monde qui, en fait, s'acrivait tout comme là, non, bureau central, et pour pas contre ça, comme ça a fait. Donc, moi-même, je crois que faut comme ça, il y a une transparence. En fait, le plus gros problème comme ça, c'est que, il n'y a pas de transparence là-dedans. Le budget de l'État doit être transparent. L'argent l'État collecté doit être transparent. L'argent l'État dépensé doit être transparent. L'argent payé doit douane doit être transparent. L'argent DGI doit être transparent. Je veux dire, nous vivons dans le noir. Nous voyons combien de quoi nous collecter. Nous voyons combien de quoi nous dépenser. Nous connaissons à faire une série de bagages qui pas normal à la quoi là. Il faut amener la transparence. Donc la transparence va apporter la possibilité de décentraliser en fonction du lieu de collecte et de faire des priorités pour développer les zones qui sont en fait les moins développées. Deuxième question, bon là, elle est avec transparence comme balaya. Et troisièmement, c'est que, bon, écoutez, moi-même, je rencontre un pile intellectuel, docteur, ingénieur, avocat, et technicien de la diaspora, quand vivent une travail ici, même si c'est pour 2 mois chaque année. Par exemple, pour un docteur, grand pile docteur Taremé vient faire un mois chaque année. Mais il faut organiser un programme pour eux. Parce que l'heure vini, son transfert de connaissances ou fait. C'est quand son université continue ou fait. L'heure fait que, un monde qui l'a pas capable d'entrer, vient bail pendant 7 ans et connaissances. Ensuite, on a un deuxième aspect, les retraités de la diaspora. Ils ont envie de tourner. Mais le plus souvent, ils mangent quoi bio, ils voient quoi bio construit un caillou pour eux, leur tourner, c'est deux mains en tête, ils mettent leur regarder qui caillou construit pour eux, ils voient les quoi bio. Il faut, à la limite, un office de la protection de la diaspora. Parce que le pape vit dans le pays. Mais je vous fais une structure de liaison, côté le côté le cas aller, ou à protéger la diaspora, ou à encourager le vini. Je dis à le peuple vini pour insécurité. Donc nous devons remettre en place la sécurité. Nous devons renforcer la police nationale, nous, en quantité et en qualité. Nous devons regarder quel rôle on va donner à l'armée d'Haïti qu'a recréé Jovenel Moïse. Moi-même, pour moi, son rôle très limité pour Mbali. Nous ne pouvons pas créer un bail qui fin fait, mais nous avons amélioré, nous avons une vision, une mission très claire. Mais la police, qui prend balle, qui prend bâton, lui-même est appelé à protéger et servir. Je dis à Jovenel faire tourner en force de répression. Et nous condamner la répression ça a fait sous population haïtienne, par la police haïtienne. Et chaque fois que je parle, j'ai une chance de faire appel au DG de la police. Normil Rameau, pour me rappeler, ils sont officiers, ils sont monde qui a toujours gardé une réputation d'homme sérieux.
la police nationale ne peut pas être une force répressive. Elle doit être une force de maintien de l'ordre. Mais l'homme, on a manifesté, et j'ai été manifesté vendredi, pacifiquement, il n'y a pas de mangas qui me gêne. Je tiens qu'on fait domaine, en attendant une première question qui trait à la mode, enfin, qui vient d'entrer dans l'habitude, non? C'est ce qu'on appelle le phénomène des gangs. Comment ouais, bagaille ça? On connaît gang en général, sont résultantes d'un problème économique, d'un problème social et d'un problème sécuritaire. Pas aucun pays qui résout le problème gang avec la police seulement. C'est rentrer dans bidonville, ou faire formation professionnelle, ou apprendre mon nom. Il y a un petit monsieur qui a aimé barbershop, son gros bar aux États-Unis, en Haïti, barbershop. Il y a un petit mesdames qui a besoin d'apprendre coiffure, manicure, pédicure, ou apprendre boss maçon, ou apprendre charpenterie, ou apprendre boiserie, ou apprendre toute qualité métier. Le fin ont besoin d'équipement pour ouvrir premier business ou jouer un crédit pour lui. Moi, c'est n'est que ça va se faire examen. Maintenant, parallèlement, et me dirais mes paroles pour Eval Tedia, ma bonne chance pour réussir. Mais sous décider, on va continuer avec mes examens, on va mourir. Donc, les gangs n'ont aucune place dans une société juste, dans une société solidaire. Les gangs voient toujours le jour quand la société est une société d'injustice, une société où un petit groupe, 5% gagne une grande majorité des richesses, et les ghettos sont laissés à eux-mêmes. Il n'y a même pas la présence policière. L'État est absent dans les ghettos, et surtout dans les ghettos de Port-au-Prince, mais pas seulement Port-au-Prince. Sainte-Hélène, Raboteau, Cassoleil, La Fossette. C'est vraiment des mondes qui quittent à eux-mêmes. La nature a horreur du vide. L'on fait ça. On est qui prend contrôle de zone. Non. Vous imaginez, problème matissant. Depuis que je venais le président, problème d'Allah, il ne va jamais résoudre. C'est pour moi le plus grand exemple, plus bel exemple de incapacité du président Jovenel Moïse à gérer le pays. Prochain auditeur, allô, bonsoir. Prochain auditeur, allô, bonsoir. Allô, Alex. Allez-y, ou dans l'air. Bon, des questions d'armes et guerriers pour le docteur Boulos. Que le docteur Boulos parlait sur la question de la 50 ans. Et moi, je vais monter le bureau. C'est-à-dire que de la 50 ans, il y a certaines philosophies qui pensaient que l'État a taxé pour un haïtien pays en diaspora. Même question d'armes, je vais dire, est-ce que l'État a taxé pour mon guide de sans pas gros. Sans pas rien comme service pour Paris, et en plus de ça, alors que nous a déjà pris taxe au pays, est-ce que l'État apparaît là pour étudier sur cette question, pour être capable de voir que taxe là, d'abord, c'est pour ramasser par un service, qui c'est la diaspora, et deuxième bail, c'est que nous a déjà pris taxe sur le pays qu'on est là, est-ce que le Gabon a une double position, imposition? Merci. Pourquoi vous prenez une question en main? Grosso modo, c'est comme s'il dit, est-ce que tu as revisité la question de taxe là? Parce que lui, il parlait de lui comme étant taxe. Oui, et bon, c'est vrai. Et me comprends pas si dans ça le dit. Mais même tu as dit ceci. Diaspora a contribué tellement déjà à Haïti que je pense qu'au fond, diaspora qui n'a jamais oublié Haïti dans le cœur, qui n'a jamais retiré Haïti dans la tête, s'il te voit l'agence ça a servi en bagaille sérieux, il n'y a pas de problème avec elle. Maintenant, je crois qu'on doit à la diaspora la transparence. Et je pense effectivement, on patine comme ça. Bagay, je parlé de services pour la diaspora, les bureaux à mettre dans les ambassades, la capacité de les faire voter. On patine comme ça, tu as un droit à louer pour faire travailler ça. Son bel idée liée, mon retenu lié. Et je pense que son bagay, nous allons l'étudier. Comment nous cap fait que on patine comme ça, que vous prenez dans la diaspora, et c'est vite PL vraiment. Comment elle est capable de servir pour mettre en place des services pour la diaspora. Docteur Boulos, en pile, vous nous parlez déjà dans le micro, ça, hein, émission ça, et même des présidents, dit que diaspora a fait voter quand même, premier ministre, président, ça va jamais fait. Et parce que j'ai l'impression qu'on barrière en ce sens. Comment vraiment penser que barrière, ça? Bon, ben, ces barrières-là, ils viennent de deux côtés. D'abord, il faut dire qu'en général, gain aux barrières au niveau et peuple haïtien qui, pour raison pour une autre, même t'apprennent, m'a dit comme ça. M'a corrigé ça, m'a dit.
parce qu'en grande partie, c'est classe politique haïtienne, non? Qui parle de diaspora. Mais il faut dire qu'on partie de classe économique là tout, qui parle de diaspora. Parce que, n'est-ce qu'il y a un corps, il y a une connaissance, il y a une technique, il y a un cabine là, et il y a fait concurrence. Il y en a qui pas quoi dans concurrence. Maintenant, nous allons ouvrir le marché. J'ai dit que je suis un parti de gauche, mais en même temps, j'ai dit la libre entreprise, l'économie de marché. C'est-à-dire que nous n'allons pas protéger X, Y ou Z, nous allons protéger les marchés. Nous allons protéger la compétition, nous allons favoriser la compétition. Radio Omega. Et le gain avec diaspora qui veut investir dans le pays, il faut qu'on côté que capable de recevoir, capable de avoir pas avantage comparatif à un qui en Haïti, mais capable de permettre de jouer le même avantage que les Haïti jouent. On compte des investissements. Souvent, avant qu'on ait diaspora, on a accès à compte des investissements. Il n'y a pas de côté pour le passé, tandis que les Haïti compte comme pour le jeune, les jeunes plus passer ça le droit. Donc, si un gouvernement veut réussir, je vais mettre le conseil pour vous, Alex. Si un gouvernement veut réussir, il y a intérêt à une diaspora. Donc, en fait, la garantie de la réussite de la troisième voie, c'est l'intégration de la diaspora. Un fonds d'investissement de la diaspora, soit pensé. Bon, écoutez, il y a un droit privé tout. Mais seul bail, c'est pour encourager, c'est pour aider à réguler. N'oublie pas que je parle toujours, rôle l'État régulateur. Elle dit souvent, on a eu deux cas déjà, côté que nek diaspora met quoi, et puis sans régulation, moi j'ai quoi là. Ouais. Faut que l'État ait un rôle de superviseur, de régulateur. Donc, on fait comme ça, faut le superviser par la Banque centrale, même j'en banque supervisée, pour assurer nek diaspora qui a investi dans le fonds ça. Pour comme les bien et protéger. On l'autre bagarre encore. Et ça, on connaît Gonègue, que nous connaît bien. Et il y a d'abord les slippers, mais il y a Louis Hall, Alain. Professeur Alan, qui croit en pile dans la création de la bourse. Oui, oui. OK? Fon gon bourse en Haïti. Parce que si je mets des limites dans la bourse, je vais prendre plus capital, et ma nègre est capable d'investir tout, mais là, ça m'a capable de grandir plus. Donc, moi, je crois que la mise en place de la bourse, mais tu sais ce qu'elle demande. Ou on ne sait pas que par quoi j'aime qu'a fait. C'est à cause de corruption. 90% n'est que deux livres. Livre DGI, livre Bayo. Ou pas qu'il y ait deux livres pour faire bourse. Faut qu'on seul livre parce que faut bailler investisseur à la réalité de son hier. Donc, le jour que on empêche corruption dans DGI, et moi-même, j'ai un plan dans la tête, mais clairement, comment rapidement m'a fait DGI ramasser l'argent. Parce que, on sera aveugle. L'administration publique haïtienne sera aveugle dans la recherche de ceux qui fraudent. L'homme dit aveugle, il n'est pas aveugle dans chercher côté fraude, il n'est pas aveugle dans implémenter. Dans la poursuite. Là. Et Mkadjou, je me souviens qui arrivait en 2008 ou 2009. Préval saisit un bateau contrebande. Pendant 6 mois, les contrebandes ne sont pas même venus en Haïti. Pas qu'il y ait des mal dans la prison. Moi, je dis ça déjà. Et ils ne sont pas aussi braves que ça. Et nous ne sommes pas braves, mais pourquoi? Et parce que le connaît aujourd'hui, s'ils font faute. Ah, il n'y a pas pris. Bon, la paix amende, mais il n'y a pas de problème, parce qu'il a fait des années, il a fait faute. Il fait 10 fois maintenant déjà. 10 fois maintenant déjà. Donc, il n'y a pas de problème. Mais s'il connaît, prend le libéral dans la prison, son lot a fait lié. On prend l'autre auditeur encore, on a dit auditeur ça. Allô, bonsoir, ou d'ailleurs, on a peut-être. Bonsoir, ma salut Alex et ma salut Réginal. Eh bien, question que nous avons à poser. Jovenel Moïse, t'a pas semblé. Qui danger si nous avons quitté le fait en l'an et puis nous avons la prise? Et parole a coupé, l'ontige a coupé, reprenne encore. Si nous avons quitté Jovenel Moïse, fait en l'an. Bien plus imprété. Est-ce que ça a un problème là-dedans? Ça nous va le faire, nous faire après 2 ans. En comme quoi, si nous avons quitté le faire et puis tout ça que vous avez fait, quand vous faites 2 ans. Qui compte vous vivre, Miami? C'est sur Miami. Ok. Moi, sur soutenir la cité solaire, on va t'abdire ça. Moi, sur soutenir vivre la saline, on va t'abdire ça. Moi, sur soutenir vivre belle, on va t'abdire ça. Vous comprenez, oui? Mais bon, j'ai une autre raison encore. Si c'est tout simplement quitter le mandat à finir et puis font l'autre élection
et puis qu'on y a l'autre monde, ou t'as metté le Reginald Boulos l'a péchoué. Parce que dans cette constitution, même l'on t'a vle fait, ou a pris problème pour faire, puisque le Parlement va entrer dans la corruption avant. Donc il nous faut la transition, en dehors du fait que 95% monde en Haïti pas les Jovenel Moïse, et c'est pas la première fois le président démissionné, et dans le pays que le président Mandel allait. Dernièrement là, en Hongrie, où on mourit son président démissionné, Alex. On va te connaître. Parce que découvrir 20 ans avant, l'été, examen t'a fait, l'été prend un texte qui pas parle, et puis le présenter le combat. Il est obligé de démissionner. Et il avait dit. Gros ministre au Japon, parce que tu as 20 minutes de blackout, il baissait tête pendant 20 minutes et puis il démissionnait. Mais bon, je vais aller plus loin. C'est-à-dire que mon président qui est impliqué dans la corruption pétro-caribé, et ma mère dit, le rapport a dit, il touchait même comme la boue de route qui va jamais faire. Donc, comment quand même des peuples haïtiens, en fait, maintenant, des auditeurs à réfléchir avec immoralité, ça l'a suggéré. C'est-à-dire que y a un président qui trempait dans la corruption pétro-caribé, un président que 90% moun yo, 95% moun yo a demandé l'aller, et m'a aller plus loin. Président Hongrie a l'air démissionné, c'est un parti moun qui a demandé. Il dit dans le discours de la psoutia, moi, je suis un facteur de division, alors je suis un facteur d'union. Pas prêté. Je dis, c'est pas division seulement, Jovenel. Nous sommes à la veille d'une insurrection dans ce pays. Nous sommes à la veille des faillites des petites entreprises qui prêtaient comme la banque. Nous sommes à la veille d'une année scolaire perdue parce qu'un homme s'est accroché au pouvoir malgré la demande de tout un peuple. Un petit auditeur. Allô, bonsoir, Odalia Naptalio. Bonsoir Alex, bonsoir Monsieur Boulos. Monsieur Boulos, moi-même qui conseille ma barreau, je toujours suivre tant de vous que vous aimez tant d'eau. Quand vous avez l'empile, ou le président d'Haïti, quand même, pas dans une cabarou, ou le président d'Haïti, ça me demande. Je travaille dans le département d'agriculture dans le Conade. Sous des cafés retournés, tout au boy, Baptiste, Dondon, Pilate, Présence, à pire côté, l'MB fait tourner usine à café, cerise encore, et puis fait tout un gros dans le point monde pour eux, employer plus agents agricoles, agents de reboisement, même de travailler dans le colonel de l'Ré, je travaille dans le reboisement, je travaille dans pépinière, chef pépinière, même si je suis un bon réseau, de 65 à 70, mon ouais qui fait la maille, nous avons fait plus de 36 608 de café, c'est moi qui suis dans l'habitant de l'eau, c'est moi qui fais un petit tâche en l'eau, moi fais un gobiage, moi fais un massage. Sous le cas retourner avec la réglitude ça, pour café retourner, cacao retourner, puis tourner, vétiver retourner, c'est la plus belle bagaille pour le pays d'Haïti. Haïti qui est deuxième, après les Brésil. Pour qui ça qu'on a l'état ça? Pour le classe de café, puis on va se casser la mer. Moi, je connais la bonne condamnation, l'on coupe le bois dans le café, l'on fait son achat dans le café. Il faut le payer dans la condition. Mais si vous voulez pas prendre, quand même, tournez avec ça en premier. Comment vous allez? Vous allez Théonore Duchesne. Théonore, bon, je vous dis bagaille. Bravo pour son soutien. Bravo, bravo, bravo. Parce que l'agriculture, c'est numéro un dans 12 piliers que troisième voie Abinavel. Et c'est pas agriculture du lui seulement. C'est agriculture exactement sordia. Moi-même, je parle en pile dans les qui fait café. C'est l'absence de support de l'État. Et au sort d'un bagage qui est important, qui vrai, non seulement dans l'agriculture, qui vrai dans la santé. L'homme de petit, m'a contacté les officiers agricoles, officiers sanitaires, qui t'a accompagné paysans, yo. Pas même l'école pour former moun sa yo encore. Donc, faut nous retourner à l'école sa yo pour former officier sanitaire, officier agricole, pour qui pour paysan parler à gué pour compte parler. Faut nous, et faut nous former de manière moderne que je dis à. Parce que longtemps ça a servi, mais je dis à gué mécanisation capable faite. Faut nous capable mettre en place
mécanisation, faut officier capable bali formation sur les meilleures techniques parce que technique yo changé et c'est là nous besoin la formation continue, c'est là nous besoin l'apport l'assistance technique de la diaspora. Prochain auditeur, allô, bonsoir. Bonsoir, Alex. Bonsoir. Nous saluons Dr. Bolos, bienvenue dans la diaspora. Nous avons des questions pour Dr. Bolos avec un petit contrainte que nous gagnons. Nous traumatisons par le groupe 184. Et surtout, au du blanc journal, nous déçus. Est-ce que bon bagage ça va dire là, est-ce que nous ne pas déçus à la manière des journal? Et est-ce que la relation entre moi et Mila n'a pas intégrité pour que nous ne trouvions pas entre une relation entre Dr. Bolos et Jovenel qui n'a pas duré? Alors, on vient dire, on gagne comme exemple, c'est un bon exemple, est-ce que nous avons moins de là? Ou bien, est-ce que dans 3 ans, 4 ans, venu là, est-ce que vraiment, au cas de montrer nous qu'il y a Haïti, pour que même ça m'a dit là, pour nous parler de l'eau, c'est toujours vivant, pour nous dire oui, aucun de nos sérénités entre les Noirs et les Noirs, pour ne pas trouver nous à ton destaline et Pétion. Et bon, me répondre. Premièrement, je vais vous dire un bagaille. Je pense que aujourd'hui, dans le pays d'Haïti, question couleur sont questions que hommes politiques utilisent en pile pour créer division dans la population. Et Mbakadil pas très réel parce que yo assassiné des Salines et les mulattes ont remplacé les colons. C'est une réalité. OK? Maintenant, dans ce pays aujourd'hui, dans notre pays aujourd'hui, dans le pays d'Alex, d'Original et de nous toutes qui l'a, moi, je crois que question couleur, il faut le venir en deuxième rang par rapport à défi devant nous. Et je ne sais pas si vous dit sur 184, mais moi-même, je dit que, un, je ne pas dans le groupe 184. Je dis plusieurs fois, je répète encore. Et moi, je pensais que, quelque part, les promesses de 184 n'ont pas été respectées. Je n'ai jamais plus entendu parler du contrat social, d'ailleurs, contrat que je n'ai jamais lu. Que je n'ai jamais vu. Bajamouel. Mais l'on prend 3 en 7 noyaux. Et moi-même, troisième voie sortie de Dessalines, Christophe et Toussaint Louverture. De Dessalines, nous prend l'unité nationale, la refondation de l'économie nationale, la justice sociale, la souveraineté nationale, l'intégrité nationale. De Christophe nous prend l'esprit de grandeur, la fierté, l'organisation. Et de Toussaint nous prend la liberté et l'égalité. Devise-nous avant tout. Tourne autour de la dignité. C'est ça que fait me dédie troisième voie, c'est remettre l'être humain haïtien au centre du débat. Et l'on remettre l'être humain haïtien, son faux débat division minier. Nous élevés dans la division. Nous menons dans la division. Depuis une pitié, depuis pitié, Alex, depuis une pitié. Nous avons des mouns en haut, mouns en bas. Mulattes noires. Nous avons des mouns riches, mouns pauvres. En fait, depuis l'école, il n'y a pas de division, Bouki avec malice. Et le map réfléchit bien sur fait Bouki à malice là. Nous fait de malice, on est intelligent. Mais en fait, que à malice, on magouilleux. Donc, on a inversé les valeurs. Et puis, au fond, on est sot en face malice. Ils ont créé Maïsa dans la tête, nous. Puis, ils ont semé continuellement division. Et c'est pour ça que le numéro 1 de Dessalines, messieurs, n'oubliez pas, Dessalines qui a fait l'indépendance contre le blanc français, a demandé l'unité nationale. Et a dit de pouvoir vivre en Haïti, où sont noirs. Moi-même, nous sommes noirs qui gagnent peau blanche. On ne peut pas être blanc. Même pas blanc, même pas peu blanc. Donc nous sommes tous. Ce n'est pas une race, ce n'est pas une couleur. C'est la race haïtienne. Nous sommes tous des Haïtiens. Et si nous commençons à réfléchir que nous tous nous sommes haïtiens, nous n'avons pas payé nous l'autre gens. La couleur, c'est une question de morphologie quand même.
C'est une question anatomique. Oui, il y a. Prochain auditeur, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir, le docteur. Question. Moi, je connais un pile de mon pays aujourd'hui et aujourd'hui, quand on parle de 50% de mon pays à 20 jours. Ou même en tant que troisième voie, si la proposition vous a fait, si nous pas qu'à joindre, passons pour l'aller. Deuxième question. Pour ne pas qu'à joindre, dis ça? Oui. Est-ce que vous voulez l'autre alternative? Alternative en tant que troisième voie. Même question. Ou, vous voulez faire un potentiel et nous connaissons ce produit à capiel. Est-ce que tout candidat, inclusive nous-mêmes tout, que ce n'est pas ce qui nous passe, nous pas à l'aise avec qui ça le gouvernement ça qui là, nous-mêmes, nous sommes capables de payer comme nous avons dit, c'est nous pas à rien, pour au final avec un vagabond comme ça. C'est pas en peur. Une question là, on pas vraiment t'as des questions sur ces formulations dont Barry a dit, mais pas vraiment comme si je parlais de son vagabond. Est-ce que son peut me gagner pour mal en face lit? Ah, ouais, ouais, bien sûr. Est-ce que c'est ça vous dit? Oui, auditeur, c'est ça vous l'avez dit? Exactement, c'est ça vous l'avez dit. Bon, écoutez. Et n'importe qui moun qui veut le candidat, il y a le candidat. Je défends souhait. Mais moi-même, pas un problème m'affronter n'importe qui moun. Si le parti me choisit comme le candidat, pas un problème ça du tout. Et si ça va me dire jeudi, et bien, moi, je dis le candidat, mais je dis à ma dit lui. Nous prenons chance à un petit peu. Nous prenons chance à un agronome bébé. Nous prenons chance avec un chanteur. Nous prenons chance avec un fonds ingénieur. Nous prenons chance avec un bourgeois. Et ça, ça me dit. Nous apprenons l'autre auditeur. Allô, bonsoir, on est là. Bonsoir. Allô, allô. Bonsoir. Monsieur Alex, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Boulos, nous allons juste. Bonsoir. On vient pour après-midi. Oui, monsieur. Midi à monsieur Boulos. Bon, toute carrière politique ou en d'un pays de quoi toute nation haïtienne ont ni des au pays ni dans diaspora en petit. Si je ne vous dis ça passe nous con depuis notre gouvernement, depuis notre gouvernement 2004 et sous gouvernement qu'on est travaillé, et puis je ne vous dis à nous connaît tout ou te supporter tout le peuple en Haïti, je n'ai 100% cap tout le peuple en Haïti. Si aujourd'hui, vous avez posé candidat pour le président pays d'Haïti, est-ce que vous pensez que vous avez président pays à peuple haïtien ça qui connaît, sauf le peuple haïtien ou même, est-ce qu'on pensez que vous n'avez pas levé d'ailleurs même gens avec le journal, même si vous n'avez pas coûte. Ou après à travers un pile col ou recevoir là, un pile nègre qui est en blé, sont faits dans le pays d'Haïti. Est-ce que pour ta qu'un dépouvant dans le pays d'Haïti, il faut t'avenir avec une armée d'Ivalier riche pour ta qu'un dépouvant au point? Ça n'a pas parlé de retour. Merci beaucoup, Martin. Bon, on a des questions là. Et c'est droit pour poser des questions. Hein. D'abord, question basée sur des bagages qui pas fondées. Parce que je ne sais pas qu'on soit parlé de moi de 2004. Je ne sais pas qu'on soit parlé de moi qui fait peuple haïtien. Mais bon, il y a une contradiction dans son dire. Ou dit si je suis président, ça veut dire peuple a été élu. Donc peuple a choisi. Si je suis président. Ou dit si peuple a couru de moi, c'est parce que je mal travaille. Et là, ça n'a rien droit à courir de moi. Même presque sur ton bagaille. Si je suis candidat parti troisième voie, et que peuple a choisi Reginald Boulos, je garantis le peuple a pas couru de moi. Parce que nous parlons de résultats. Le peuple courir dans le président, c'est l'on va résultat.
beaucoup de gens font rien en vie que pas de résultat. Et ça n'a pas de résultat tout. Prochain auditeur, bonsoir. 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 Oui, c'est pour l'émission. N'importe quoi, allez-y. Oui, question c'est pour comment est-ce que vous même son jeune qui a bien dans la diaspora, c'est question pour comment est-ce que vous c'est parce que dans tout et monsieur qui toujours a posé candidat ou bien programme bien pour Haïti, pas jamais bien une agent qui inclut sport là-dedans. Tandis que vous regardez la Jamaïque, qui va en gros athlète ou symbole qui fait tout pays dans le monde. Même que Bob Marley représente un combat pour Jamaï, mais ou c'est un bol vini comme ça, monsieur vini son idole mondial. Mais pas j'aime bien envie de ça qui inclut sport dans le programme. Par exemple, on a un plus de gros athlète pour Real Madrid, Barcelone, qui vient à l'académie à l'étranger. Dans le dernier documentaire qui sortit, sous chaque 10 personnes qui ont l'académie, il y a des qui ont des possibilités pour vivre millionnaire. Pour qui ça en a expliqué, football c'est sport, wani. Pour qui ça sport pas qu'un écrit pour jeunes, comme si dans chaque département, Haïti bon gros pays dans chaque département, l'État met une grosse académie. Le satin, on fait judoka, on fait football, on fait basketball, tout sport là-dedans, net, le satin, on sent le pire à l'État, il pratique sport, ça laisse aller dans le jour, c'est ça. Regardez, frère, moi, non seulement je suis d'accord avec vous, son seule différence que je avoir dans ce dia. Vous écoutez moi? Vous êtes allé? Il est là. Ou là toujours? Oui. Ce dia totalement vrai. Mais ni même ni pas entré dans un programme spécifique parce que, en fait, si vous regardez même aux États-Unis, quand vous êtes là, le développement du sport se fait à travers l'école. À travers l'université. Ou en Braldou, mon petite fille qui a vécu en Haïti, qui est allée dans le jardin d'enfants à 2 ans et demi. Il est déjà dans le soccer. Il est déjà dans la natation. Il faut que nous permettions tout petit monde qui est à l'école, qui voulait jouer au sport, pour être capable d'avoir accès à sport. Sous-songez, l'homme de petit, et peut-être pas qu'on a l'âge de gagner, l'homme était qu'on fait championnat interscolaire. Genre, c'est ton gros bagage, il était. Le lycée Toussaint a joué à lycée Pétion. Le lycée Minette a joué à Saint-Louis dans le basketball. C'est un gros bagage. Il faut remettre le sport. Et nous-mêmes, nous n'avons pas un chapitre qui est le sport. Nous avons un chapitre qui est la jeunesse. Nous avons un chapitre qui est l'éducation. Et dans deux chapitres, ça y est, où joignent le développement du sport là-dedans. En pile pays, et il y a un débat qui fait, c'est en dans l'université. Et justement, après 215 ans, à part campus universitaire Saint-Domingue-Manouan qui a mal marché, enfin, qui pas bien a fonctionné parce que faute de moyens, nous avons un campus universitaire. Quelle réflexion ou même qui sont universitaires sur ça? Bon, d'abord, et moi, je vois un petit message que Darren m'a partagé et qui est réel. Il y a des gens qui réagissent sur samedi dans un pays régulateur et régulé que Digicel n'a pas acheté, voilà. Alors, il y a trois bagages qui m'ont dit sur ça. C'est vrai, et m'a dit encore, même si voilà, t'es en faillite, nous avons poussé pour que son lot monde cache. Mais il y a en Haïti que nous dit tout, qui est très important. Compagnie téléphonique qui investi dans le câble, ils coupé le câble. Compagnie téléphonique besoin de mettre de nouvelles technologies, le gouvernement besoin de faire comme sous tête. Donc, le développement de la téléphonie qui est un élément essentiel, elle fait partie de la libre compétition, oui, mais elle fait partie aussi de la protection des investissements de monde qui fait investissement. Donc, je voulais quand même compléter, ça me dédie, c'est pas qu'on m'a mettre un monde en toi par rapport à l'autre. C'est le gouvernement qui montre qu'il n'a pas joué rôle. Il n'a pas joué rôle de régulateur, mais il n'a pas joué rôle de facilitateur, il n'a pas joué rôle d'accompagnateur. Et si je suis pour vous et manifeste troisième voie, côté l'expliquer, le rôle de l'État, il dit trois mots ça. Régulateur, facilitateur et accompagnateur. Donc il faut effectivement, qu'on entendait et directeur dit celle-là dans la radio, côté la plainte, que côté au fin de pin passé quoi, il a coupé câble, soit pour des raisons pour voir les câbles, ou bien pour des raisons de créer problème pour le système là. C'est le rôle de l'État.
c'est parce que pas gain sécurité, c'est parce que pas gain l'ordre, c'est parce que pas gain la discipline. Mais jour nous capable mettre système n'a mettre en place là, à ce moment, on verra que c'est un autre système qui va se faire. Ceci n'empêche pas que régulateur a te gain droit dit, li pa vle de compagnie et téléphonie seulement en Haïti, livre plus compétition, livre les trois compagnies. C'est le rôle de l'État aussi de décider de ça. L'université. Oui, répondre à une question. Alors, tu as dit que les grands débats en pile pays, faites l'université, et là, nous pas mettre en pile en face sous lui. Université, 215 ans après, c'est le même bon au campus, qui a marché assez mal pour des raisons X. Maintenant, qui regarde au gain sous l'université? Tu as parlé de l'éducation. Oui. Parce que, ou bien quantité de Simon qui part même à l'école, ou bien qualité d'éducation que le Simon qui arrive au baccalauréat à l'université a, niveau d'études li, très limité à cause de la qualité de l'éducation. Donc je crois que la réforme de l'éducation, réforme du haut, Alex, sous préval, une commission présidentielle qui t'a écrit un document créé le plan national d'éducation. Ouais. Bon, c'est vrai que 9 ans plus tard, il a mérité et adapté. Mais il n'a pas songé de plan national, ça. Il t'a dit, il faut la formation de 20 000 professeurs. Lorsque Matéli fait monter, c'est la première fois que je rencontre comme président, je ne peux pas inaugurer l'université Limonade ou Swabdila. Je dis, président, j'ai une idée pour vous. Pas faire Limonade ou université. Faire un grand centre normalien pour nous former 2 000 professeurs chaque année. Sous 10 ans, on a fait 20 000 professeurs. Besoin. Donc, la réforme de l'université rentre dans la réforme de l'éducation. Parce qu'il faut commencer à la base, depuis petit monde, on a 3 ans, 4 ans, l'étude primaire. Est-ce qu'on connaît, Alex, que un pourcentage de professeurs du primaire qui n'ont pas de certificat d'études primaires? Donc, ce n'est pas normal. Donc, il faut faire toute la réforme de l'éducation qui inclut la construction des écoles et des campus universitaires, la formation et des maîtres, la formation des maîtres, les cantines scolaires pour donner aux enfants à manger. Et puis finalement, les mariages avec des universités étrangères, capoter technologie pour nous, capoter connaissance pour nous, capoter assistance pour nous capables de développer la recherche, le développement d'une université. Alors, 2 minutes pour terminer, la conjoncture, l'idée d'actualité, comment on est le prochain jour? Bon, parce que le problème est pour le continuer. Le président met en place ce matin une commission, donc communiqué sans date. Et moi trouver dans la commission quelques personnalités crédibles, quand on retrouve tout, les cavaliers de l'Apocalypse qui ont conduit à l'échec du président. Moi-même, je dis à ma fait président une proposition. Il était fait un discours champ pour elle quand elle va dire rien. Il faut lui faire discours à 7h du soir. Il y a 3 bagages importants pour un discours ça. Dans ce que nous vivons aujourd'hui, dans ça nous vivons aujourd'hui, nous tous responsables, et d'accord, nous tous responsables. Mes responsabilités premières, c'est moi comme président de la République. Il y a le mea culpa qui doit être fait. Deuxièmement, le président a dit, pour notre pays, pour Haïti, aucun sacrifice n'est trop grand. Et je suis prêt à faire quel que soit le sacrifice. Comme je demande à mes frères et sœurs aussi de faire des sacrifices. Et troisième bail pour le dire, l'inviter tout le monde sur table négociation. Les réinviter religion pour la paix. Commission de langue doit là pour défendre tête. Il y a une commission de facilitation qui met en place par l'opposition. On chita sous table là, mais en condition, il faut le dire. Radio Omega. Tous les mandats sont sur la table. Les mandats de tous les élus sont sur la table. Donc, moi, je crois que c'est ça qui vous fait aujourd'hui. Je crois qu'il faut le président garder que son pays n'est pas géré. Il faut nous tous garder dans qui est un pays. Et que la transition est importante. Elle n'est pas importante à cause de Jovenel. Elle aurait été importante pour Martelly. Elle aurait été importante pour Préval. La transition est importante pour résoudre les problèmes constitutionnels, institutionnels que nous gagnons, qui n'ont pas qu'à résoudre pendant qu'on a une présidence constitutionnelle. Sur ça, Mabdou, merci encore, Alex. Merci, docteur Boulos. À bientôt.